Bonjour tout le monde et bienvenue sur Couplay, c'est Alice et Saïla et on se retrouve pour la deuxième partie. Alors on enchaîne là, on vient de tourner le coffret Signabraz. Attendu, n'est-ce point ? Voilà, ça fait deux mois quasiment que vous attendez. C'est la deuxième partie du coffret Tempête Argentée. Il nous reste, souvenez-vous, on avait ouvert les 4 premiers boosters dans la première vidéo et on s'était dit non, on voulait pas gâcher le TB. On était tellement peu impatients qu'on a attendu un mois et demi pour la réouvrir. Oui, donc nous avons un magnifique livre ici. Et qu'on ne va pas feuilleter parce qu'on veut pas se spoiler les cartes. Que je viens de fixer quand même. Ouais, mais t'as pas vu les cartes. Hop, et la boîte Tempête Argentée ici. Donc, elle avait tout bien remballé parce que l'objectif c'est de vous montrer ce qu'il y a dedans. On va faire ça assez rapidement parce qu'en fait on a presque plus de batterie. Et on voudrait pas tomber en rade. Voilà. Donc ça c'est le choix. Donc nous avons des petits dés. Les dés de dégâts. Et un dé normal d'ailleurs. Oui. Nous avons des petits jetons. Il y en a un, c'est un pansement je crois, non? Oui. Ouais. Et l'autre c'est une tête de mort. Et le V-Star ici. C'est notre deuxième V-Star du coup. Oui. Le premier est déjà là-bas. Il y a des petits séparateurs avec un magnifique petit goupil dessus. Vous avez vu comme il est mignon. Voilà. Il ressemble tellement à il ressemble à une évolution. Tu sais, il pourrait être un évolu. Il y a énergies. Putain, j'étais trop refait, j'allais me dire, wow, c'est quoi ces cartes là? Mais non. Il y a un. On l'a déjà donné le code ou pas? Bah, un code. On avait dit qu'on le donnait à celui qui envoyait un message vu que c'était un code de TB, mais écoutez, prenez-le vu qu'on n'a pas eu de message. Bah non, on a pas eu de message donc prenez-le. Ah, j'ai cru. Non, t'inquiète pas, tu fais bien. On a de nouveau un stock de slip puisque le dernier de notre TB a bien diminué. C'est 50 je crois, ou 45. Je sais pas. J'ai une connerie comme ça, je sais que c'est un nombre à la con. Marqué là. Je crois que c'est 45, j'ai une connerie comme ça. 65. 65, je sais pas pourquoi mais. Voilà, et enfin les petits paquets, donc comme on l'avait déjà ouvert, bon je sa boîte. De mémoire, je crois que la première ouverture était dégueulasse, non? Ouais, il me semble aussi. On avait rien eu je crois. Ouais. Et du coup, je les tiens à mettre. C'est pas grave. Et du coup les 4 petits paquets qui restent ici, bien sûr. Tiens. Ça en fait le partage. Après, alors nous avons deux Lugia. Bon bah déjà on va commencer par faire simple. Un Lugia pour toi. Un Lugia pour moi. Ensuite nous avons le Goupix ou le. Oh, c'est une espèce de drac au feu. Je sais plus, vous me direz c'est qui lui. Non, c'est pas un drac au feu, mais je sais plus ce que c'est. Tu veux le Goupix ou tu veux le moche? Je veux le Goupix, bien évidemment. Bah voilà, ça me dérange pas. Hop. Et voilà, bah on va tirer un. Oh, va... il est super lourd le Goupix. Ah ouais? Mais t'en as deux. Ouais. Oula, bah par exemple, je peux déjà vous dire que celui-ci est extrêmement léger. Donc, soit c'est celui-ci qui est lourd, ou soit c'est lui qui est léger. Mais en tout cas, entre les deux là, déjà, il y a une énorme différence. Bon, d'accord. Et dans la dernière vidéo, bah, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que quand je tourne les vidéos, je les envoie un peu au pif. Il y a une vidéo, c'est sur le signe. Bah non, je vais rien dire parce que si vous l'avez pas encore vu, vous allez vous faire spoil. Donc, je ne dis rien. Et on fait un lancer de dés. Ah oui. Bon, on prend le dernier dé de la dernière OTB qui était rouge. Je sais même plus comment ça s'appelait, c'était le TB avec le Darkrai là. 1, 2. En vrai, j'ai pas envie d'ouvrir en premier, donc si je gagne, je te laisse ouvrir. 2. Vas-y, c'est quoi, je te laisse ouvrir, tu veux ouvrir? J'ai pas envie d'ouvrir en premier. Vas-y, je commence alors. Je te laisse commencer. Ouais. Je commence avec mon Beluga. C'est pas un Beluga, mon gars. C'est un Lugia. Voilà, c'est un Beluga. Voilà. A tout de suite. A tout de suite. Hop. Et on se retrouve avec une. Bon, cette fois-ci, j'ai pris ouvert parce que. T'as ouvert le plus gros ou le plus maigre? J'ai ouvert le Beluga, j'ai dit. Ouais, mais c'est. C'est le plus. Moins lourd. J'allais dire le plus maigre. N'importe quoi. C'était le moins lourd à mes yeux. Pardon. Et la 3 main gauche. Hop. Voilà. Un petit code, prenez-le surtout, ne vous. T'en privez pas. Oh, ça colle. 1, 2, 3. Ouais, mais avec toi, les cartes, elles collent toujours. Moi, j'arrête avec ça maintenant. La dernière fois qu'on a dit que ça collait, souviens-toi, il y avait genre que. Ça, c'est granuleux. Alors. Un Lusor. Un Lusor. Alors, ça partait. On n'a pas ouvert beaucoup de cartes du Tempête Argentée. Ce qui fait que normalement, on devrait avoir des nouvelles, ouais. des nouvelles cartes. Bon, celui-là, on l'a déjà eu. Trompignon. J'avais vraiment rappelé plus ou moins lesquels on a déjà eu. Ça, on a eu. Un paquet. J'aime bien les bagamouilles, c'est drôle. C'est moi qui dois lire. Un reliquante, lui on l'a pas eu. Il est moche. Ignoble en plus sous l'eau. Ah mon dieu, comme je déteste. Découverte fossile et vibre à quoi. Ça en dit long sur. Elle est toujours aussi handicapée. Hein. Ah bah d'accord, t'as spoilé la Rivers du coup. Ouais, bah je suis désolée. Un brutal libré, mais putain, on l'a déjà eu aussi, je crois. Oui. En fait, on a ouvert beaucoup de Tempêtes Argentées. Bon, on a ouvert 4. Un Kirlia. Kirlia. Non, d'autres aussi parce qu'on avait acheté un tripack, on l'a fait en vidéo, souviens-toi. On a fait un tripack, on avait que des cartes de ouf. Un fossile inconnu. Je me souviens, on avait même dit qu'on pouvait arrêter d'offrir les Tempêtes Argentées. Et enfin, un Tarambule. Heureusement que c'est pas à la rare, j'aurais dit comment tu l'as dégainé. Un Dolman.
Dolman, Dolman, je sais pas. Oh mon dieu. Et la rare, que dalle, donc même pas une holo. Hein, elle est jolie par contre. Ah, elle est et jolie, c'est un Pokémon Quenote, c'est ouais. Une rare, c'est une rare Quenote. Regardez. Mais autrement, c'est un booster, comme j'aime les appeler. Pourri. Moisi. Pourri. Je vais ouvrir le plus léger, moi. Même si je vous dis ça, mais ouais, non, si, il y a quand même une. Non, je pense que c'est juste ma tête. C'est juste ça. Enfin, il sait plus. Et j'aime Lugia, donc je vais garder mon booster de Lugia pour la fin. Hop. D'accord, prenez-le, servez-vous. C'est vite. Gratuit. Trop tard, quelqu'un l'a pris. Oh, une noire. Et quelqu'un disait que parfois, voilà, quelqu'un disait que ça pouvait annoncer, parce qu'en fait, c'est juste une carte pour le jeu, mais quelqu'un disait qu'apparemment, quand on a une Vestar, on a une belle carte. On va vite savoir si sa théorie est. Et vrai, je crois que j'afficherai même son commentaire ici. Comme ça, s'il a tort, le pauvre, on saura que c'est lui. Voilà. Voilà, on verra. De côté. Mais... On verra si tu as raison. Alors, toi. Attention, nous commençons avec un Terhal. Si c'est une holo, ça compte comme une bonne carte, hein, donc d'accord. Je tiens pour le défendre quand même. Un immonde. Oh, il est trop mignon, regarde. Il est immonde. Ah, il avait raison. Je crois qu'il y a quelque chose. A voir, mais je peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a quelque chose. En cas, il y a une carte qui est mal coupée. Un Goopix. Oh oui, il est trop chou. Ah ouais, regardez. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais... Genre, elle est extrêmement mal coupée. Oh, t'as vu? Ah oui, il est un peu déchiré. Elle est complètement... En fait, elle est complètement déchirée en dessous. Bon, c'est pas grave, mais... C'est le game, hein. Un passe rouge. Il est trop mignon. J'allais dire un poisson rouge. Il y ressemble. Ah, attention. Un petit Pikachu, l'invention d'un jeune homme a repris la création de machines permettant de profiter des compétences de ce Pokémon. Bon. Un Motisma. Motis. Un trépassable. Quel beau. Après le Bacabou. Un Draco. Pour aucune quelade pour l'instant. Hein. Non, moi je veux le Dracolos là. Le Quatoque, j'arrive même pas à prononcer. Il a un joli gloître. Lui, il est boitru. Et enfin, que dalle, non même pas une holo. Eh ben, à celui qui nous a dit... Un Cobaltium. À celui qui nous a dit qu'il y avait quelque chose quand t'avais cette carte-là, tu es un menteur. Un Cobaltium. Il n'a pas de quenote non plus, donc on peut même pas dire que c'est une rare. Rien, genre rien du tout. Le booster... Pourri. Non, moisi. Je m'en fous. Je préfère la pourriture à moisi. Enfin. Alors, merde, j'aurais dû préparer... pas de vulgarité ici. J'aurais dû préparer mon petit... C'est pas possible, vraiment, hein. On va encore repartir sur une ETB, genre on aura rien dedans. Ça... Ben non, mais attends, il reste 2 paquets. Hein. Ouais, non, mais autrement, c'est genre, moi, enfin, c'est déjà grave sur 8 boosters en fait d'avoir pour le moment rien. Alors, à moins d'avoir une ultra rare gold, tout ce que tu veux, je trouve que ça reste quand même particulièrement inquiétant. Prenez bien le sur le code à l'envers. Ah, on pourrait faire ça, on pourrait cacher 2 caractères et faire un jeu. Celui qui trouve. Bon, je pense que les mecs ils ont pas que ça à faire. Dis-moi qu'il y a au moins une granularité. Un petit peu, ça colle. Ouais, laisse tomber. Laisse chose. Tomber. Alors, un magnifique un petit. Un lap oreille. Un toki-toki. Un toki-toki. Des nouvelles cartes par contre, là, lui, c'est bien. Ah, il est mignon. Un fantirme. Parce un fantirme, il est vraiment beau. On en a eu aucune des deux, là. C'est des nouvelles. J'aime bien, ça fait très... Je ne connais même pas ce Pokémon. Un Fennec. Et lui, là. Et alors, lui. On l'a eu déjà. Mais non, mais... Il a des quenottes, ouais, mais on l'a mais déjà. Mais oui, mais on s'en fout. C'est un Pokémon quenotte, oui. Un Fermite. Un Fermite, non. Un Emolga, on l'a déjà. Il est trop chou, il a pas de quenotte. Non, il a pas de quenotte. Il est trop chou. Ouais. Il est attends, trop chou. La reverse, un Draco. Ah non, Draco, non, bon. Un Araquois. Un Araquois qui n'a pas de quenotte non plus. Affreuse, cette carte. Un Waylord. Oh. J'aime bien l'illustration. Elle est trop belle, ouais. Lui, est-ce qu'on peut dire qu'il a des quenottes, mais non, il a des grandes dents. C'est une grande baleine. Oh, trop chou, regardez. La dernière fois qu'on a eu un Raichu, on a eu une carte de fou derrière, je me souviens. Alors, est-ce que ça va être le porteur de chance? Peut-être que les Raichu sont porteurs de chance. Un Matoufleur. LE Pokémon Quenote par définition. Alors, on peut pas faire plus Quenote. C'est un petit vampire. C'est un Croquenote de défi par. Un Croquenote. Oh, mais non, mais sérieusement. Je suis désabusé. Vraiment. Voilà. Oups. Je suis. C'est épuisant, tu payes 80 balles quand même. Enfin, 50 balles le coffret. Genre, t'as rien dedans, quoi. Faudrait que je regarde la vidéo, peut-être que je me trompe, que je regarde la partie 1 de TB, mais je crois qu'on a fait rien. Je vais le faire pendant que tu veux. Si ça crie, c'est normal. Mais tu l'as mis en ligne, la première? J'espère. Normalement, oui, ça fait un moment. Dès qu'elle a été tournée, parce qu'on avait dit qu'on voulait justement profiter du fait que ça venait de sortir. Putain, mais j'arrive même pas à voir le booster, quoi.
Comme quoi, il n'y a pas que moi qui ai les doigts. Mais genre, je l'ai massacré. En limace, hein. Vous savez que sur ce coup-là, je crois que pour la première fois, j'ai trouvé d'aller dégainer une paire de ciseaux. Oh, je suis tombée sur une vidéo de nous avec Sylar qui a une casquette. Oui, bah, c'est, je l'ai mise ce matin et la vidéo date de 6 mois, c'est ce que je t'ai raconté. Eh ben. Alors. Putain, je vous laisse vous moquer de moi, mais c'est du jamais vu, là. Moi. Mais sérieusement. What? Il se passe quoi? Écoute, si t'as des doigts. De merde? Certes. Ouah, wow, mais une minute pour ouvrir le booster. Je mettrai cette séquence en x2 parce que putain. Ça, j'espère qu'il se mérite ce booster parce que. Bon, allez, prenez les codes. De toute façon, si vous êtes aussi chanceux que nous, ça sert à rien. Mais par pitié, mais j'en ai rien quoi. Je te promets, je le sens direct. Il y a rien dans le booster. Non, mais attends, on a... Ah, si, on en a une slivée. Voilà, un Tarsal, c'est quoi, je l'ouvre en fonction. Vas-y. Un Spindar. Voilà, un Sonistrel. J'ai même plus. Oh, un Pikachu. Ah bah, putain, elle est belle. Mal. Comment ça? Regarde aux deux autres, boum boum. Non, justement, c'est que eux aussi, en fait, ils sont en train de le charger. Ah, j'ai cru. Elle est super belle, elle est par trop contre. Mignon. Elle ah, est oui. Trop belle. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Elle serait presque prête à être slivée, celle-là, parce que je la trouve jolie ouais, comme coup, tout. Je veux pas la sliver, hein. Tu veux pas la sliver? Si, je veux la sliver. Mais ah, si, oui. Je viens de le dire. Oh bah, regarde, c'est marrant derrière. Regarde, en fait c'est lui. Un Tegu Maru. Oui, mais en fait c'est la continuité de la carte, regarde, quasiment. Ah, mais oui. T'as en vu plus, oui. C'est marrant. Mais est-ce que c'est pas la suite? Non, rien à voir, c'est la 140. Un Tegu Maru. Voilà. Mais... Ah, c'est la reverse. Ok. Si on veut. Le Dolman qu'on a déjà eu. Ouais, c'est quoi, je vais être dégoûté. Ah, quand même. Oh, mais genre, et mauvaise langue. Vous avez vu comme il a passé ça? Bon, pareil, ça va être le pire Pokémon. Genre, un de camouflage feuillu et. Tada. Oh, bah quand même. Ah! Un Arcanine! De Hisui! De Hisui! Bon bah voilà! Ah! Eh bah putain! Enfin c'est quand même dramatique sur. Donc toi qui as vérifié du coup on a. Oui, on a une slivée donc je pense qu'on en avait. On a une slivée? Oui. Bon bah ça fera une carte sur. Deux cartes sur 8 boosters. Bon bah. Je prends et je le mets dans sa petite slivée. Bon. Regardez! Bon! Il est mignon, il est slivé, il est content, regardez, il va avec les autres. Ma théorie du poids du coup se confirme encore un peu plus. Hein. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une théorie, on sait, plus le booster est lourd, plus il est machin, mais on commençait à avoir des doutes sur le fait que j'arrive à bien cerner les différences de poids. Et oui, en effet, on confirme que. Alors, du coup, on a eu 3 quenottes, des machins. Une belle Pikachu. Une belle Pikachu. Je la mets là. Une superbe Arcanin de Hisui quand même. Hein. Arcanin de Hisui. Et les autres, bah, je sais plus où je les ai mis. Je les ai mis dans la boîte, certainement. Elles en valaient pas la peine. Et bon bah écoutez, sur ce... Bah on espère que cette ouverture quand même vous a plu, hein. J'étais à doigt de péter un câble, mais là vous savez pas, mais si je chopais pas le Arcanin de Hisui... Mais vous avez vu comme il a passé vite les trucs, non mais c'était grave. Vous repartiez sur 25 Regardez, minutes d'explication de... Regardez, on a perdu ça qui était trop mignon. De pourquoi j'arrête les cartes Pokémon, là vraiment j'aurais pété un câble, j'aurais dit attendez, c'est bon. Bon sur ce, retournez voir sa vidéo Pourquoi Pokémon est nul. Je parle même pas des cartes en plus. En plus, ça va, oui, alors Non, bah merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, bien évidemment, comme à chaque fois. On s'en sort pas si mal. Mais oui, les mauvaises langues, regardez. Et on vous dit à bientôt. Salut tout le monde. Salut.